pourra convaincre les chiens de partir, et qu'elle partira aussi. J'ai un mauvais pressentiment. T'es vivant là-dessous? Oh, oh bordel! Allez, Artyom, faut m'aider. La ligne a besoin d'être tendue. C'est bon. Meurtrier ! Olga, c'est Artyom, mon ami. C'est un gars bien. Ton ami n'est rien qu'un meurtrier. Artyom, comment t'as pu ? Et toi, t'es un menteur. Je ne veux plus jamais te voir. Olga, je reviendrai. Si tu reviens, t'es un homme mort. Artyom, on y va. Tu les as vraiment tués? Mais pourquoi? C'était rien que des gamins. Pourquoi? Artyom. Anna est au plus mal. On doit y aller. Le temps presse. Ni l'air, ni les médicaments qu'on a trouvés en chemin ne pourront rien maintenant. Et maintenant, Alyosha aussi est blessé. Viens. Ah.
Un lourd silence s'est fait quand l'aurora est passée le long de ces eaux radioactives, contre lesquelles le barrage est le seul rempart. On pensait revenir un jour, mais après avoir vu la menace qui planait sur cette vallée, on savait que ça n'arriverait pas. Alyosha, qui est toujours incapable de marcher après avoir été touché au dos, est fou d'inquiétude. Son Olga est restée là-bas. Peut-être qu'il pourra la prévenir par radio et sauver les habitants. La suite du programme, je n'en ai aucune idée. Mais je suis prêt à tout affronter. Sauf une chose. Anna, s'il te plaît, tiens bon. Sans toi, je n'ai plus de raison de vivre. Plus de raison de rêver. D'autant plus que si je n'avais pas rêvé, tu irais bien maintenant. J'ignore pourquoi, mais je savais qu'on finirait par y aller. Toutes ces rivières, ces montagnes, ces déserts, ça fera pas l'affaire. C'est l'océan ou rien. Je croyais qu'on y arriverait. Vraiment. Je sais que je vais y arriver. Et si j'ai besoin d'aide, tu seras là pour moi. Tu me sauveras encore, pas vrai? Artyom, je t'en prie, arrête de te torturer. Ça me fait mal de te voir comme ça. Toi et mon père aussi. Ce n'est pas ton rêve, ni son histoire de force d'occupation. C'est le destin, c'est tout. Un bout de tissu dans le vent, du béton pourri, un stupide dépôt de munitions. Artyom, tu devrais sortir. Je vais lui faire une piqûre pour qu'elle dorme un peu. Viens avec moi, Bratuka. Il faut qu'on discute. Hé, hey, lâche un peu ce que tu fais et viens dans la cabine. Raconte-moi ce qui t'arrive, Nastia. Quelqu'un t'a embêté? Regarde, ici Alyosha. Je suis en ligne, comme promis. J'espère que tu m'entends. Sont indiquées en nuances de vert, alors que le violet représente les erreurs. Mais aujourd'hui, j'ai découvert de petits caractères. En fait, les niveaux de radiation très éloignés de la fourchette normale du scanner s'affichent aussi comme des erreurs. Autrement dit, le niveau de radiation là-bas pourrait être monumental. On est à 500 bornes de Novosibirsk,
Et les radiations dehors sont presque aussi élevées qu'à Moscou. Mais qu'est-ce qu'ils ont balancé là-bas? Ces clichés, en 20 ans, le niveau de radiation a forcément baissé, mais bon, Novosibirsk est très probablement mortellement radioactif. Alors on fait quoi maintenant? Je vais te dire ce qu'on va faire. Artyom et moi, on va y aller. Pas les méthodes de l'ordre. On y va ensemble. Non, non, pas d'accord. C'est ma fille, sa femme, ma parano, après que les forces d'occupation l'a conduite dans ce satané bunker. Et Artyom, et son rêve. Il nous a fait quitter Moscou. Donc, c'est notre faute, à tous les deux. D'accord, mais on est l'ordre. On est censé rester unis et se serrer les coudes. On devrait tous y aller. On ne discute pas. On ne parle pas d'une mission de l'ordre, mais d'une affaire personnelle. Celle d'Artyom est la mienne. On n'a pas besoin d'aide. Deuxièmement, on ne sait pas exactement où se trouve le médicament. Il pourrait être dans le centre de la ville, ou dans un des labos d'un caverne Gorodok. Alors c'est peut-être vous qui aurez la vie d'Anna entre les mains. Troisièmement, et pour finir, où qu'on décide d'aller, l'hiver approche. Et se retrouver avec l'Aurora coincée dans la neige, c'est... C'est à éviter. Vous vous souvenez de ce que Yermak a dit? Rafraîchis-leur la mémoire. Il y a un énorme musée ferroviaire dans les faubourgs de la ville. On y trouvera très certainement un chasse-neige adapté à l'Aurora. Donc, messieurs, votre mission consiste à fouiller les labos d'Akanen-Gorodok et à préparer l'Aurora pour l'hiver. Que tout le monde se prépare pour la mission. Par ailleurs, on lance une surveillance constante du niveau de radiation à l'extérieur. Et ce, dès maintenant. Sam, tu commences. Oui, chef. Je crois que des niveaux mortels de radiation là-bas seraient en fait une bonne nouvelle pour nous. Ah, vous voulez dire qu'il restait personne pour piller les pharmacies et les hôpitaux? Exactement. Contrairement aux villes qu'on a traversées. Colonel, à propos des combinaisons. Oui, où est-ce que tu en es? Je n'ai réussi à en assembler que deux. Anna n'abandonne pas. Elle croit en moi, en nous, et à la raison. Après des milliers de kilomètres de chemin de fer, nous approchons enfin de Novosibirsk. Une ville morte qui recèle son seul espoir de survie, un remède capable de la sauver, quelque part en son sein glacial et irradié. Il y a un an, nous avons quitté les ruines empoisonnées de Moscou. Et voilà que nous nous apprêtons à pénétrer dans une autre ville prise dans l'étreinte meurtrière de l'hiver et des radiations. Trouverons-nous un jour un endroit où vivre à la surface? Peut-être. Mais pour l'instant, nous retournons dans les entrailles du métro pour sauver Anna. Monte en flèche. Je crois que cette fois, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Les maisons aussi sont pas tapées, Sam. Les radiations, ça donne quoi? 8 fois plus élevé qu'à Moscou, et ça monte encore, colonel. Je crois qu'on n'a pas intérêt à s'attarder dehors dans le coin. Suis-moi. Bonne chance. Vous pouvez compter sur nous. La situation a l'air plus complexe que ce qu'on pensait. Mais le temps nous est compté, alors on va opter pour l'approche directe.
Envoyons le plan ensemble. Yermak. On part vers le sud avec l'Aurora, jusqu'à la gare de fret de Sibirskaya. J'ai indiqué sur la carte. Stéphane. Crest, Sam et moi, on s'occupe du bâtiment de l'Institut à Academ Gorodok. Au passage, on fait un saut au musée du pain de fer. Il y aura peut-être quelque chose d'intéressant pour l'Aurora. Idiot! J'aurais gardé l'Aurora avec Tokarev. Bien. Artyom et moi, on se charge du bâtiment principal de l'Institut. Les radiations sont bien trop élevées ici. On va essayer d'y aller en passant par le métro. Bon, c'est parti! Bonne chance, Spartiate! Bonne chance. Veillez sur elle pour Artyom et moi, jusqu'à ce qu'on revienne. Tu veux bien? Bien sûr, Nounours et moi, on va monter la garde. Tu vas m'aider, Nounours? Soldat Nounours, à vos ordres! Au revoir, Artyom! Ne t'inquiète pas pour son gamin. Nounours et moi, on va veiller sur elle. Chut! Elle s'est endormie. Vous partez? Oui. J'espère qu'on y arrivera à temps. Anna est forte. Elle tiendra le coup. Aucun doute. Tâchez de revenir, c'est tout. Merci, Katia. Entre, Artyom. La crise est terminée. J'ai fait de mon mieux. Votre équipement. Alors il ne faut pas t'inquiéter. Merci. Son pouls est stable, elle est épuisée, c'est tout. Elle va sûrement dormir jusqu'à demain. Artyom, ici c'est pas comme à Moscou où tu pouvais flâner dehors pendant des mois. On sait pas quel monstre on va trouver. Alors réfléchis bien à ce que tu emportes. Je t'attends au fourgon. Équipe-toi, Artyom. Mmh. J'ai nettoyé tes armes et j'ai mis là-dedans toutes les munitions et les ressources qui nous restent. Tu vas en avoir besoin.
Avec le bouclier ou sur le bouclier? Vous êtes prêts? Oui. Bon, Artyom, on y est. C'est notre dernière chance de sauver Anna. On n'a pas droit à l'erreur. Ancelle. Artyom, promets-moi juste une chose. Vous faites l'aller-retour en vitesse, soit Diana, et on se remet plus à chercher un endroit où s'installer. Toi, tu surveilles les alentours. Il va falloir que je me concentre sur la route. Je m'attends à quelques nids de poules. Bonne chance, messieurs. Nous sommes son dernier espoir. C'est ici. Une évacuation ratée, je suppose. Essayons d'atteindre la place derrière la gare. L'entrée du métro est aussi fermée. Bon. On peut pas abandonner le fourgon. On en a besoin si on veut revenir. Alors, c'est parti. La route de tes rêves. Tu préférerais qu'on soit jamais parti. Je comprends. Enfin, mettons ça de côté pour le moment, Artyom. On peut s'en sortir. Je crois qu'on peut sortir par ici. Accroche-toi. L'armée a bloqué la circulation. La ville a été frappée en pleine évacuation. On va pas pouvoir accéder au métro par ici. Il y a trop de neige. Prends le volant, Artyom. Je m'occupe de la navigation. On ferait mieux de se servir de la carte, on n'a pas le temps de tourner en rond. Très bien. D'après la carte, l'entrée du métro est proche de notre position. On avance. Pas de temps à perdre. Pas le choix.
cours sur la gauche. Va pas trop vite. Si on se retrouve coincé, on est foutu. Va tout droit. Prudence, Artyom. Prudence. Ah, c'est le pion en pierre de tes météos. Et aussi le coup des radiations. On peut pas rester là. Tourne à gauche. Là. On devrait retrouver la route principale en passant par ici. Mortel. Comme une tape bagnole. On dirait qu'un char est passé par ici. Je suis dans sa trace. Merde. J'espérais qu'on irait plus loin avec le convoi. À partir d'ici, on va devoir marcher. Et il va pas falloir traîner. Les radiations augmentent, les filtres tiennent encore. On y est enfin arrivé. Trouvons comment rejoindre le centre-ville. En passant par le wagon, je vais t'aider à l'ouvrir. On y va. Des squelettes partout. Ça fait au moins 20 ans qu'ils sont là. On avance, et ouvre l'œil surtout. Ceux-là, ils risquent pas de nous faire de mal, mais les survivants, on sait jamais. Il faut qu'on aille jusqu'à la station Place Lénine. L'institut est à un jet de pierre de là. Le métro est assez proche de la surface ici. Avec des radiations pareilles, les habitants ont pas dû tenir longtemps. C'est un peu plus sûr en sous-sol, même si on a déjà encaissé 3 fois la dose normale à la surface. C'est exactement comme chez nous. On est dans notre élément. C'est dingue. L'air est respirable.
essayons de nous faufiler par là. Voilà le passage. Avance, je te couvre. Tu vas bien? Parfait. Oh, ils arrivent, prépare-toi. Ils sont sûrement de la même famille que les mutants de chez nous. Et se mettront en grouille. Je crois qu'on devrait pouvoir s'en charger. Qu'est-ce que c'est que vous pouvez bien montrer ? Fedorov de la section 20. Écoute, nos filtres sont complètement nazes. Et à Sibirskaya, ils ont été remplacés c'est cet automne. Poussière. Tu crois que les gamins pourraient rester longtemps à ta station? Il y a aussi du monde. Regarde de la récolte ici, là-bas. Artyom. Impossible. Sortir ici. Et voilà les habitants du coin. Ça ressemble aux charniers à Moscou. Je sais pas. 8000 km plus loin, et nous revoilà devant un charnier. Je me demande si j'étais considéré comme des espions, en fait. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Ils ont tous été exécutés. Ça ressemble pas du tout à une guerre.
J'aime pas trop la tête de ces structures. Ça pourrait s'effondrer à tout moment. Voyons voir. On y va. Si j'ai bien suivi, on est à Sibirskaya, une station de correspondance. Thank you.
Il n'est pas passé par ici, je l'aurais vu. Va voir de ce côté. Moi, je regarde par ici. T'as rien à craindre. On veut seulement te parler. Sors de là, petit. Arrête de te cacher. On te prend aucun mal. On ne prend pas de mal. Rien à craindre! On veut seulement se parler! Oh! Chope le Arcon! Stop! Tu crois aller où comme ça? Ah, quand même! Pourquoi tu t'es enfui? Allez, parle, soldat! Identification! Soldat Kirill Klebnikov, OSCOM, unité de riposte rapide. Et c'est tout ce que vous obtiendrez de moi. Klebnikov! Très bien, soldat. On veut faire de mal à personne. Emmène-nous voir ton officier supérieur. Comment ça, vous voulez faire de mal à personne? Je suis de l'OSCOM. Vous êtes pas avec eux? Eux? Je sais pas de qui tu parles, mais si tu des enfants, on n'est sûrement pas de leur côté. Conduis-nous à ton commandant. Pourquoi vous voulez le voir? On a une mission de première importance. Les détails ne peuvent être divulgués à un subalterne, seulement à de hauts gradés. Tu n'as qu'à nous conduire à eux. De toute façon, t'as pas vraiment le choix. D'accord. Aucune entourloupe, c'est promis. Venez, la station est tout près. Et c'est quelle station? Laquelle? C'est Prospect, bien sûr. Plus qu'une station avant l'Institut. On approche, Artyom. Attendez. La voie est libre. Allez. Attendez. Vous approchez. Mais pourquoi vous avez besoin de l'Institut? Tu lâches rien. On est en mission. Mais c'est tout ce que je peux dire. En mission à l'Institut? Mais il reste plus de trucs verts là-bas. Trucs verts? C'est quoi ça? Vous savez pas? Attendez. Mais de quelle station vous venez? Artyom est de VDN Cash, et moi, de police. Hein? C'est où? C'est à Moscou, soldat. Attendez! Merde! Donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît! Allez! Cherchez votre raclé! Crame-les! Utilise des grenades! Appelez-vous! On va arriver à passer! Ah!
ça vous plaît, hein? Regardez-les tirer, comme au bon vieux temps. C'est bon, c'est fini. Soldat Klebnikov, tu peux sortir. Hé hey, où t'es passé? Comment on va bien pouvoir le retrouver? J'aurais jamais pu cliquer des yeux. On est venu de Moscou en train. Wow, c'est génial! Attends une seconde, je vais ouvrir la porte. Partie des émeutiers. Il y a eu une guerre ici, vous voyez. On a remarqué, oui. Plutôt douillet chez toi. Ils sont où tous les autres? Papa est en mission, mais il n'y a personne d'autre. Pas depuis la guerre, en tout cas. Oh. Alors la ville a pu survivre à la guerre nucléaire, mais pas à la guerre civile. Ça fait combien de temps que vous êtes seuls tous les deux? Presque un an. On a eu de la chance. On avait toute une boîte de trucs verts. Comme les riches. Une seconde, Artyom, une carte satellite. C'est la vallée où tu t'es perdu avec Alyosha. Où est-ce que t'as trouvé ça, soldat? Les stalkers l'ont rapporté du centre de communication satellite, il y a longtemps. Alors ton père est en mission. Quand est-ce qu'il revient? Je sais pas. Depuis combien de temps il est parti? Un mois. Et ça fait 3 semaines qu'il est injoignable. Je vois. Tu sais où il est parti? C'était quoi sa mission? Il est allé au centre de communication. On devait quitter la ville au printemps. Il est parti chercher la carte des bombardements en disant qu'elle nous aiderait à trouver un endroit sain. Compris. Soldat, il faut qu'on t'emprunte ta radio. On contacte l'Aurora, Artyom. Je vais récupérer cette carte. Il faut les prévenir. Aurora, vous me recevez? Ici Melnik. Colonel, vous reçoit 5 sur 5. Comment vous avez pu émettre? Changement de programme. On a trouvé les survivants. Ils disent que le centre de communication satellite existe encore. Je vais là-bas chercher la carte. Artyom s'occupe de l'institut. Bien su, colonel. Comment va Anna? Elle dort. Essayez de faire vite. Katia dit qu'Anna risque d'avoir une nouvelle crise très bientôt. Répondez, Aurora. Terminé. Vous me recevez, Aurora? Terminé. Merde! J'ai encore des parasites. Artyom, si son père a vraiment trouvé un endroit sain, ce serait une chance pour Anna, pour les gars, pour nous tous. Une chance de vivre notre vie. Je vais chercher cette carte. Retrouve-moi ici quand tu auras le remède. On rejoindra la voiture. Vous pouvez pas sortir sans Antirade. Il nous en reste 3. Papa les garder pour quand on quittera la ville. Parfait. Merci. Artyom, équipe-toi en attendant. Oh, il y a même un établi ici. Au fait, tu peux prendre mon railgun si tu veux. Il te sera peut-être utile là où tu vas. Oublie pas les munitions. Préviens-moi quand tu seras prêt.
N'oublie pas de remettre quelques filtres en état, Artyom. Parce qu'après, t'auras plus le temps. Y a aucun doute, cette carte est plus récente. Dis-moi, Kirill, comment ça se fait que ton père et toi soyez les seuls survivants? On est tombé à court de trucs verts. C'est l'anti-rad, on peut pas survivre sans. Les stations éloignées se sont rebellées, le comité a envoyé des soldats, et la guerre a éclaté. Après, il y en a qui sont morts au combat, d'autres dans l'incendie. Il n'y avait plus assez de monde pour garder les entrées, mais les mutants ont réussi à passer partout. Ah, je suis vraiment navré. Oh, ça va, ne vous en faites pas. Il n'y a aucun doute, cette carte est plus récente. Si j'ai bien compris, cette aération nous permettra de rejoindre la station. Oui, celle-ci. Ensuite, vous traversez la station et vous prenez le tunnel de droite. C'est tout bête. Vous vous faites une injection si vous vous sentez mal. Merci. Alors, c'est ça qui leur a permis de rester en vie. T'es prêt ? Bonne chance. Oublie pas ce qu'on fait là. La vie de ma fille, de ta femme, est entre tes mains désormais. Maintenant, vas-y. Thank you.
Artyom. Artyom. Allez, lève-toi. Plus loin, les gars!
Mal ici. Thank you.
Tu ne l'as pas trouvé, mon cœur. Ce n'est pas grave. Tu as fait de ton mieux. Tu sais que je t'attendrai. Je veux que tu es là. Merci. Je suis désolée. Réveille-toi, je t'en prie. Oh, t'es vivant! Vivant! J'ai cru que j'allais être à nouveau tout seul. Debout! Vite! Il dort, mais il faut le laisser tranquille. À partir d'ici, c'est tout droit. Il a essayé de m'apprendre à conduire, mais... il s'est évanoui d'un coup.
Il a trouvé la carte. Il a dit que papa était un véritable héros. Il nous avait tous sauvés. En rentrant, on s'est fait attaquer par des mutants. Mais il les a tous tués. Boum ! Entre les yeux.
Tu m'entends? Soyez prudents tous. Il a été salement irradié. Et j'ai même pas pu faire de relevé sur le corps du colonel, tellement le compteur s'affolait. Tiens bon, Artyom. On va te remettre ta plombe. Ça va arriver. Concentre-toi! Qu'est-ce qu'on doit faire, dis-nous? Il est en prison d'urgence. Il faut lui donner autant de sang que possible. C'est parti pour la transfusion, alors. Ça va le sauver? Ça va le maintenir en vie un peu plus longtemps. Tant qu'il y aura du sang. Il est de quel groupe sanguin? AB positif. Un receveur universel. Rassemblez tout le monde ici. T'endors pas, Artyom. C'est pas le moment de dormir. Tu n'es pas arrivé à destination, Artyom. Pas encore. On en est encore loin. C'est pas ta station, c'est qu'une impasse. Pas ton objectif. Tu m'entends? On n'est plus assez nombreux. Plus assez. Artyom, je t'en prie. Je t'en supplie. Ne m'abandonne pas. Je n'ai pas besoin de revenir. C'est trop cher payé. Je vais vivre maintenant. Quel moment vivre sans toi? Arrête. Ne dis pas de choses pareilles. Tu l'as sauvé, Artyom. Tu l'as bel et bien sauvé. C'est ta mort, là. Ta vie. Tu comprends pas? C'est vrai. Ça suffit. Il ne peut plus en venir. Vous ne comprenez pas? On est tous à court de sang. Anna, tu devrais vraiment te reposer. Mon père n'est plus là. Ne me laisse pas toi aussi, Artyom. C'est moi, Eugène, de VDN Cash. T'as oublié? Et dire que je t'attendais ici, tu parles d'un meilleur ami. C'est comme ça dans la vie. On galère, on se bat, et on se fait avoir quand même. Bah. Je crois que tu devrais te balader un peu. Je reste juste ici si t'as besoin de moi. On a largement le temps. Plus qu'assez pour parler de tout. Salut Artyom. Je ne m'attendais pas vraiment à te voir ici. Je pensais qu'un autre destin t'attendait, quelque chose de plus grand. Je te revois quand t'étais qu'un gamin de VDNKH qui rêvait de se souvenir du visage de sa mère. C'est pour ça que tu as ouvert le sas des jardins botaniques. Regarde-toi maintenant. Je vais regagner le métro sans tarder. Mais toi... Le soleil ne se lève jamais ici, Artyom. On n'arrête pas ce train. On n'en descend jamais. Il n'y a pas de gare ni de station dans ce monde. Celui qui est assez courageux et patient pour fixer les ténèbres toute sa vie sera le premier à voir la lumière briller. Ça te rappelle quelque chose, hein? Alors pourquoi? Tu n'es pas assez patient. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il n'y ait pas de gare ici?
qui voudraient s'arrêter, de toute façon. Allez, gros tas de ferraille, accélère un peu. On va faire du grabuge, réveiller un peu les morts. Bon, il est temps que je m'en aille. Et toi, salue tout le monde de ma part. Je passerai ton bonjour à ceux que je verrai chez moi. Entre, entre. Je te fais capitaine en second. On est parti pour un long voyage. Un voyage éternel. Et je vais avoir besoin d'aide. Alors, qu'est-ce que t'attends? Des excuses? Ah, y a peu de chances que ça arrive, Arthur. Tout le monde fait ce qu'il a à faire. Le devoir d'un soldat, c'est de tirer sur l'ennemi, pas de poser des questions. T'as fait ce que tu pouvais. J'ai fait ce que je pouvais. Et on l'a fait correctement. On a tout donné. Laissons les vivants se débrouiller maintenant. Hé, c'est quoi ça? C'est bizarre. C'est la première fois que je vois un truc pareil ici. Écoute, si on essayait d'arrêter ce machin, hein? Donne-moi un coup de main. Allez, allez! Bon, Artyom, va jeter un coup d'œil. Maintenant, tu peux quitter le navire. Juste. On a trouvé un endroit où être heureux. Et tu t'en vas. On n'a pas pu avoir la vie dont on rêvait. Mais tu as tout abandonné pour moi. Et je t'en veux d'avoir fait ça. J'ai horreur de te voir partir. Horreur de rester ici toute seule. Et je vais l'accepter. Parce que je t'aime. Je t'aime tellement. Au revoir, Artyom.